Alors, s'il vous plaît, vous allez refaire un petit tour, une par une, de façon que tout le monde vous voit bien. Allez, une derrière l'autre. Allez, comme à la queue le nœud. Voilà, comme ça. On les applaudit bien, tout le monde, bien fort. Alors, s'il vous plaît, vous allez refaire un petit tour, une par une, de façon que tout le monde vous voit bien. Allez, une derrière l'autre. Allez, comme à la queue le nœud. Voilà, comme ça. On les applaudit bien, tout le monde, bien fort. Allez, et musique à fond. À fond les caisses. Allez. Allez, on les applaudit bien fort, tout le monde. Corso, mais là, pour des raisons de ça, on est obligé de faire différemment. Voilà, donc Paul, tu annonces les résultats. Allez, c'est parti, musique. Alors, Miss Corso 2016, elle se prénomme Apolline. Tout avancé. Elle a 16 ans. Vous la retrouverez sur le char de la reine. Apolline, donc, vous la retrouverez dans 15 jours lors du défilé du Corso, des défilés des Corso, parce qu'il y en aura un l'après-midi et un le soir. Donc elle sera sur la plus haute marche du char. Ah, je sais pas combien, 7 ou 8 mètres de haut, je crois. Voilà, elle n'a pas le vertige, non. On avait demandé avant, hein. Oui, parce qu'il est haut cette année. Alors maintenant, on va appeler plutôt la première dauphine. C'était la numéro 5. Mélina. Bravo. On l'applaudit bien fort tout le monde, Mélina. Elle a 16 ans. Et il nous manque la deuxième dauphine. La deuxième dauphine, c'est Mathilde. Elle a 15 ans. Bravo. Voilà les trois élus que vous retrouverez sur le char de la reine. Et on va demander aux autres de s'avancer aussi, hein, parce que bon, vous avez participé. C'est pas évident de participer. Bravo. Alors Julie Chiada qui a eu le rôle de Miss Corso 2015 va remettre le diadème à la Miss 2016. On passe le relais en fait. Voilà, ça c'est pour la Miss et ça c'est pour les dauphines. Allez, musique. Voilà. Voilà, vous pouvez voir. C'est très dur de faire partie d'un jury. Moi, j'ai pas prétention aujourd'hui à parler au nom de mes collègues du jury. Mais d'abord, je voudrais dire une chose. Avoir le courage de monter sur une estrade, c'est déjà exceptionnel. Donc toutes les filles que j'ai vues sont magnifiques et surtout très courageuses. Et il n'y a pas de plus belle ou de moins belle. Ça veut dire qu'au fond, quand il y a un jury, il y a des notes qui se partagent et à la fin, il y en a toujours une qui gagne. C'est comme ça la vie. Mais vous êtes toutes magnifiques, ça je tenais vraiment à vous le dire. Vraiment magnifiques et je suis très fier. Pour au moins celles qui sont ardéchoises, j'imagine qu'il y en a quelques-unes qui sont ardéchoises dans les filles qui sont ici. Vous représentez bien l'Ardèche, parce que ce beau département est très joli. Et puis voilà, donc l'année prochaine, on vous reverra certainement, peut-être pour celles qui veulent concourir. Et puis à la Miss, je voudrais vraiment lui souhaiter, durant cette année, du grand bonheur,
parce qu'on ne lui a pas tout dit. Le maire va lui dire ce qu'elle va faire. Donc dès lundi matin au bureau à 7h30, et le travail commence. Mes félicitations à la fois aux deux dauphines, à notre reine de Bourg-Saint-Andéol, à la reine du Corso, et bravo encore une fois à toutes et à tous et aux organisateurs. Bon Corso, merci et bonne soirée. Monsieur le Président, cher Pascal, le protocole aurait voulu que ce soit Pascal qui termine. Simplement, moi, je voudrais un petit peu changer de... et remercier donc le comité des fêtes. Le comité des fêtes depuis 22 ans. Depuis 22 ans, vous animez pour Saint-Andéol d'une manière très professionnelle, mais en même temps, je dirais très bénévole, avec un maximum de personnes qui vous suivent. Et je dirais que c'est toujours les mêmes depuis le début. Et je pense qu'il faut remercier Janine, Gérard et tous ceux qui, de près ou de loin, s'occupent de comité des fêtes. On peut les applaudir. Alors, Pascal, vous ne connaissez pas les horaires de la mairie. En ce qui concerne la reine, c'est pas 7h30, c'est 9h30 simplement. Mais vous verrez, ça commence. Alors, bien entendu, c'est une pointe d'humour. Vous savez que vous allez nous accompagner dans toutes les manifestations officielles. Oui, et Dieu sait s'il y en a quelques-unes. Et Pascal rappelle celle qui, après le comité des fêtes, va avoir une renommée mondiale, c'est le Tour de France. Vous serez avec nous, avec le député, à partir du 14, d'abord le 5, le 14 juillet, le 15 juillet, et puis au-delà, jusqu'à l'année prochaine. Pour nous, c'est important, que ce ne soit pas éphémère, que ce soit vraiment quelque chose qui prouve l'intérêt de la commune. Et ça, c'est une nouvelle qui a été lancée, une nouvelle habitude depuis l'année dernière. Nous y tenons particulièrement. Et je voudrais aussi remercier, comme l'a dit Pascal, toutes celles qui ont concouru. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de venir devant tout le monde défiler. Et je dirais que vous avez toutes été merveilleuses. Vous êtes toutes belles. On vous embrasse passionnément. Merci et à l'année prochaine. Voilà, un petit remerciement donc encore au nom du comité des fêtes de toutes ces demoiselles qui ont bien voulu conclure. C'est super parce que c'est une étape importante dans le Corso. Le Corso c'est une chose, mais il faut avoir une miss, il faut avoir une élection. Et elles ont eu le courage d'affronter le jury qui a été relativement cool ce soir, hein. À peu près. Voilà, merci à tous. Bravo.